Amen. Salut chers internautes, donc vous qui nous suivez de partout à travers le monde, shalom. Parce que nous avons toujours Bissot, les lots aux abonnés sur le terrain. Et là, on a le prophète Emmanuel Dodi, Oyebon Kosala, Badon, et pas Mama Veve, pas Orphelin. Tout le monde, si on a commis à l'imiter, et si on a le rôle à voyage, Mobimba. Voilà, ça m'a dit. Voilà, ça m'a dit. Voilà, ça m'a dit. Congo. Batouya boye bazala raté. En tout cas, prophète Emmanuel Dodi, ma délégation na e Mobimba, toye kotika biloko, chez Maman Coco. Maman Coco. Basi plus de 700 orphelins baza awa. En tout cas, na mboka na biso, ba pasteure, ba mbongo bosaka na ba église. Bosala na ngoni ni ba pasteure ya mboko. Ba pasteure, ba mbongo, ba dimi bosaka na ba église. Babine Kendaga Wapi, Botala prophète Yasolo, prophète Emmanuel Dodi, Namukebo Yazuaka, Azanga Rateko Kanisa, Bandeko Nafiso Baofele. Ils attendent que le prophète a Tindiga Babosa là-dedans. Yemoko Azana Bissot. Yemoko Ayam. Alors, oh, ils ont la même, tout le monde a un pasteur, comment le rôle à Star, pasteur, comment le rôle à Yenani. Ozomona. Aïda, Babasteur, il faut pas que ça vise au Bila, Bambongo Bazora dans l'église. Bambon wana photo ya besala ka musala nini parce que bano bazo mérité kozwa lisungi vraiment prophète Emmanuel Dodi est le baka na Congo azana ye moko batu mususu batsaka biso mwa batembe vraiment ba action humanitaire et puis quel bien là et puis le mon bible le bana biso babi Abi, je suis le père des orphelins, le mari des veuves. Tant que vous êtes le père des orphelins, il faut laisser orphelins. Les gens sont en train de se faire. Ils 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 sont en train de se faire.
koyete ko banege o alléluia amen faut faire quelque chose sur la orphelin wana alia alors na fait moi tomber geste osa ko alou ya ko louer ya ko faire d'abord un merci à un prophète Emmanuel Dodi d'avoir pensé na bana o kené bien alors on va à Masolo na sango wa wa assez le na vraiment na bi ke donc bana photo pe o bazola na biso vraiment botinda ka badimi na bino badimi wana et ça la ranine. Nous sommes là, prophète Emmanuel Dodi, à salle à la réaction, oh, quatre fois, donc, il est là, il est vraiment, à ça, le prophète, oh, moi, je suis écouté à l'église, vraiment, je suis à l'église. Je suis à l'église. Bana to bomu na ba parents o ba sabata parents mon père mon parents biologique déjà 5 ans na pe et ça déjà il romo o ba bana ba za pena besoin na yango voilà alors faut louer juste ya ko mona ba délégation au tiboy et pe monta la bango aido zo mona papa prophète Emmanuel Dodi er na ebi sa bino ke na Congo bazana bango mi balete franchement que délégation ya batu ebelé déjà à part ba don o prophète Emmanuel Dodi ay ko tika awa dépense na no ya mituka o to na ngos court. Donc il y a ça pendant pasteur Wazana Mouté Mamala Moussoli. Ma prophète a voulu baser Tami Balé na Congo. Vraiment, il y a ça la bien. Il y a un autre na ba pasteur. Badi mina ma bonza bozoara. Et kendaga wapio. Et ça la ramoussa la nini. Merci prophète Emmanuel Dodi. Merci na marambozo ça la pena. Prophète, nous avons pas pambola yo vraiment. Oui, ma qui c'est bien. Nous avons pas pambola yo. Merci beaucoup papa. Et là on va aller tenir les amis encore. Les alliés d'abord l'axe au prophète Emmanuel Dodi. À Sali parce que Nabi Meli Fouquet les amis ils avaient tiré. Merci pour votre présence dans le silence comme vous avez reçu du Seigneur. Dieu nous parle en donnant toujours une fonction d'option pour les pauvres. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir moi-même en personne. Merci pour beaucoup. Rendre visite et visiter nos enfants. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi pour tous les sacrifices. 42 ans ici. 42 ans ici, que Dieu vous bénisse. Tous ces jours que vous voyez et le travail de tant de années. J'espère que l'État nous aide parce que jusqu'à maintenant, on ne recevra rien. Le Seigneur est en train de pouvoir et il pourvoira toujours. Merci. Ici, merci. C'est une petite lettre que je vous écris personnelle. Hein? D'accord. Merci. Les enfants vont donner des prénoms. C'est bon. Ici. Oh, je suis content. Merci. Nous sommes vraiment dans la joie et de recevoir les chefs spirituels. Sa grandeur, les prophètes messagers Emmanuel Dodi, dans cette visite spéciale pour la première fois dans cet orphelinat de Kimondo chez Maman Coco. Et avant toutes choses, parce que c'est le prophète du temps, c'est le prophète du moment, avant toutes choses, nous voulons commencer avec une petite prière. Merci pour la vie et pour la protection.
parce que c'est toi qui as révélé à ton roi pour que cette journée soit une journée mise à part afin de manifester ton amour envers les indigents. Nous voici dans cet orphelinat ensemble avec ton envoyé. Nous demandons que ton esprit soit avec nous et que tout ce que nous allons faire ici, que cela soit sous ta protection et avec aussi ta miséricorde. Au nom du Seigneur Jésus, que les débuts et la fin soient sécurisés. Ainsi, nous avons prié et nous avons dit Amen. Papa, c'est avec joie grande que nous vous recevons ici chez nous aujourd'hui. Avant-hier, quand le Père m'a dit, le prophète Emmanuel de Lycéra lui-même ici chez nous, j'étais dans la joie et j'ai failli me pleurer. Le Père m'a dit, c'est vrai, j'ai demandé au Père, est-ce que vous êtes sûr qu'il va venir lui-même? Oui, lui-même il va venir. Moi j'ai dit au Père, j'avais vu des affiches partout à Kinshasa, comme s'il y a des séminaires, je ne pense pas qu'il va venir. Il m'a dit, lui-même il va venir. J'ai dit, ok, nous allons attendre papa. Aujourd'hui, papa est là parmi nous. Ça fait beaucoup d'années que l'Église vient nous rendre visite, l'Église vient nous consoler dans nos moments difficiles, dans nos moments de détresse. À chaque fois que nous souffrons, vous êtes là. Chaque le 25, chaque 4, pendant 4 fois dans l'année, l'Église passe ici nous rendre visite. Et cela, c'est un geste de générosité, d'amour. Et ce geste est resté vraiment gravé dans nos cœurs. Aujourd'hui, notre papa a pris de l'âge. Il marche avec un bâton ces derniers temps. Santé vraiment faible. La fois passée, quand nous sommes venus à l'église avec les enfants, vous nous avez dit, je serai là toujours avec vous. Je ne vous laisserai en aucun cas. Je serai toujours là. Il faut dire au Père qu'il a une grande famille. Et laissez-moi vous dire, l'église les a franchis. Vous êtes notre plus grande famille que nous en avons maintenant. C'est une église qui nous assiste beaucoup. C'est une église qui est toujours dans nos cœurs. C'est une église qui s'est réveillée à côté de nous. Et des fois, on s'est dit, c'est par hasard que nous nous sommes rencontrés avec vous. Mais cet hasard est devenu une réalité vraie. Et cette réalité, nous sommes obligés de l'accepter parce que n'était-ce pas vous, et on ne serait pas là. Le Père, c'est un prêtre, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un apôtre, un prophète. Donc Dieu sait pourquoi il vous a mis tous les liens en chemin. Dieu sait pourquoi il a voulu que vous puissiez vous reconnaître. Enfin, que ces enfants qui sont ici puissent retrouver encore la vie. Nous sommes 620 enfants ici, abandonnés, orphelins et malades. Nous traversons des moments très difficiles. L'État congolais ne nous vient pas en aide. Nous recevons aucun monnaie de la part de l'État. Tout à l'heure, je viens de dire à papa, on n'avait pas de sucre, on n'avait pas d'huile. Mais on n'avait pas de vivre frais. Mais quand derrière mon dos ici, nous avons tout là. Et non seulement ça, nous avons ici devant nous. Donc c'est quelque chose de très grand pour nous. C'est vraiment mystérieux, je pourrais dire. En tout cas, papa, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, enfants de la Fondation Pédiatrie de Kimbundo, Maman Coco, orphelins que nous sommes, que Dieu vous donne au centuple, que Dieu vous ajoute encore une très longue vie, afin que vous puissiez toujours assister à ces enfants qui sont les vôtres. Nous allons faire la visite tout à l'heure ici, vous verrez, il n'y a aucun enfant blanc ici. Nous sommes tous des Noirs. Et ce n'est pas nous-mêmes qui avons voulu de se retrouver dans de telles conditions. C'est Dieu seul qui sait pourquoi il a voulu que nous puissions passer ici. Moi aujourd'hui je suis étudiant en médecine, bientôt là je vais finir mes études. Mais derrière moi j'ai des enfants qui sont encore en maternelle, il y a des enfants qui sont encore dans le berceau. Avec l'âge du père, avec la situation actuelle du pays, je me demande est-ce que ces enfants-là vont arriver là où moi je suis arrivé aujourd'hui. Mais j'ai toujours la foi et ce que vous avez dit la fois passée, je serai toujours là avec vous, avec vos prières. En tout cas ces enfants-là vont arriver là où moi je suis. Je crois toujours en tout cas. Papa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne au centuple, que Dieu vous ajoute encore une très longue vie sur cette terre. Nous avons beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs de vous, et nous les gardons toujours dans nos cœurs. C'est quelque chose qui restera jamais oublié dans nos cœurs. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Lelo Ezali Mukolomoko, c'est une journée historique. Pourquoi historique? Parce que les visionnaires, l'initiateur de cette grande vision des œuvres de la miséricorde, est parmi nous et c'est pour la première fois, il est l'homme qui ne se déplace pas. Au moins pour la première fois, il a décidé de venir visiter ses enfants parce que hier, c'était le 24, nous l'avons réussi à sa qualité. Aujourd'hui, lui aussi en personne, il vient recevoir ses enfants abandonnés pour les apporter la consolation, témoigner la miséricorde de Dieu
que Dieu a mis en lui. Vraiment, c'est pourquoi nous venons de dire que c'est une journée vraiment historique et ça restera gravé dans cette orphelinat de Kimbondo de Mama Coco. Pour ce faire, ce n'est pas moi qui va s'adresser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui-même en personne qui va remettre en titre symbolique les vivres et l'enveloppe qu'il a prévue pour venir en consolation à ses enfants abandonnés de l'orphelinat Mama Coco de Kimbondo. C'est pour cela que nous invitons sa grandeur, le prophète messager, de dire un mot et de remettre les petits colis qu'il a prévu pour ses enfants dans cette circonstance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il est toujours assis, dans son état de santé. Merci. C'est pour nous une joie et une allégresse d'être là aujourd'hui. C'est vrai, mon engagement est pris vis-à-vis du Seigneur. Avant qu'il soit pris vis-à-vis de l'orphelinat que vous représentez, bien sûr. J'essaie de vous dire que tant que le Seigneur sera avec nous, si bien qu'on avance, il y a autant de choses à faire, je serai avec vous. C'est pas facile. Dans une année, 4 fois, c'est pas facile. Si ça ne venait pas du Seigneur, on s'arrêterait en cours du chemin. Parce que cela vient de lui, il nous a mis cela à cœur, nous voici et nous vous accompagnerons. Ça, j'ai déjà dit ça. Et donc, c'est un privilège aussi pour moi de venir vous rendre.
pour le biso. Nous avons à un orphelinat chez Makoko. N'ayez moko les prophètes Emmanuel Dodi. Il faut être sincère, pendant Ken Piana, ils ont beaucoup de bien, très bien, très bien, qu'ils ont connu les fonctionnaires. C'est rare au moins un pasteur de se déplacer dans la délégation, qu'il y a un orphelinat, qu'on paie sa mongo, tout qu'on paie sa. Qu'on vivre là-bas, bétiqué. Jésus est le père des orphelins, le mari des veuves. Parce que pour nous, les orphelins, c'est un gars, faut ça, l'artiste, c'est un côté orphelin. Je pense qu'il y a des pièces, on va dire, 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 exemple, va dire, exemple, va pasteur est belé, il faut pas l'andre, parce que, au moins, chaque fois, tu as awa, il mange awa, vraiment, il est lissarabatou, vraiment, il va l'andre, il est à poto. Bande qu'on a bu son oyo, tout ce monde a boaka oyo. Oh, bah ça va na oh, bah tu vas boaka. Mundela bah tu italien, aso bango, aso encadré bango. Et ça va chercher, je m'en rends peut-être gouvernement de à côté que soit Macambo. Mais prophète Emmanuel Dodi a vraiment la provision, vraiment 4 fois par année. Donc, il y a beaucoup de choses mon anzungu, oh balambe la bango. Comme ok, les enfants, mais là, les prophètes. Mais t'as la voix, prophète. Ok. On a ce que vous avez fait. Et l'envie, un communiste est l'affaire qu'on fait comme la nuit. Zère, dégagé des couleurs, avec moi, brillez les bonheurs qui dorment au fond de toi. Déjà est la lumière, et l'envie, un communiste est l'affaire qu'on fait comme la nuit. Qui condamne au silence, prends la main de tes frères, invente par dedans. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, mélangez tes couleurs avec moi, réveille les bonheurs qui dorment au fond de toi. Déjà est la lumière de nos vies, inconnue c'est la paix qui dort au fond de toi. Madame la tortue, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Dis-moi, madame la tortue, là où ta petite tête est rentrée et tes 4 petits pattes et ta toute petite queue. Et pourquoi moi s'imprimer sur les bouts de tes angles? Si j'étais donc de la salade, auront-ils encore peur de moi? Les parents négligents, malheur à moi, papa ne paye pas pour moi. On met 7 accords d'argent. Papa boit de la bière au jour, et voilà vers 45%. Ce n'est pas de ma faute, je m'appelle Pili Kaplefani, je vous remercie. Ma maman, connaissez-vous ma maman? Elle est belle, tout gentille. Toutes les mamans sont belles, les pas comme ma maman. Pour elle, je t'aimerai toute ma vie. Je m'appelle le mari, je vous remercie. Bienvenue, chez nous soyez les bienvenus, vous accueillez en famille, chez nous soyez les bienvenus. Très cher papa, il y a un de nos frères de la Fondation Pédiatrie de Kimbondo qui a aussi un mot à vous dire tout à l'heure ici. Nous appelons exaucer les mains. Bonjour. J'ai préparé un petit mot de remerciement, mais qui sera beaucoup plus à la langue anglaise pour permettre à nos frères qui n'ont pas pu venir à ces lieux, qui sont en dehors de ces pays ou encore en dehors du milieu francophone, à comprendre ces messages. Dear brothers and sisters,
Father and mother, I greet all of you. My name is Exauce, one of the boys of this orphanage. I grew up in this area and I'm so happy and I'm so glad, so emotional to see what you are doing for us. Just let God bless you, because when we came over this place, we were abandoned without any vision of life. But God's help us in the way of our Father. He show us the way. He show us the only one God that we believe. And He show us the way of being grateful and thankful about everyone that is helping us. And then yesterday, we were so surprised to get this information that Father should come between us. And we are so happy, I'm even missing my word to thankful about everything that you are doing for us. Just let to God be the glory, and whenever and wherever, if you need our help to give you a hand back, we are there to do everything that we can. The first thing that we can do for you is to pray for you, because this is the only one thing that we can give back to you. Let God bless you. Thank you. Can I ask one question, if you don't mind? Yeah, there's a problem. So this other pastor also come here to help you guys. Yeah. Beside the pastor, a prophet, this other pastor comes here. It's not a bad question, just ask. No, it's not a bad question, but I mean, maybe later I can try to answer it. To answer the question, yeah. No problem. Thank you so much. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous manquons le mot parce que quelquefois, notre émotion peut signifier, parce que le vocabulaire est trop pauvre pour vraiment signifier à quel point on est vraiment si cher et on est attaché à vous. Comme on dit toujours, loin des yeux, mais près du cœur. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Comme je disais, partout où vous avez besoin de nous, en aide, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans vos maisons, dans les différentes activités que vous avez, demandez-nous, faites-nous signe. Et on viendra auprès de vous aussi pour vous aider comme vous faites pour nous. Nous n'avons pas de l'or à vous donner, mais une prière et un remerciement du fond du cœur. Et que Dieu vous donne au centuple. Et que rien ne vous manque. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci et priez pour nous avec des difficultés et des moments très durs que nous passons. Et nous croyons encore que Dieu entend nos prières. Dans des moments difficiles, vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus quand on a la nourriture en abondance. Vous êtes venus au moment où nous manquons, au moment où les problèmes sont multiples, au moment où, quand nous dormons, nous ne savons même pas si notre papa se réveillera parce qu'il est très malade. Mais vous venez là pour compatir et pour soigner nos peines qui sont intérieures. Nous vous remercions parce que vous êtes des papas, vous venez caresser nos visages. Vous venez non seulement remplir nos estomacs de denrées alimentaires, mais vous venez aussi donner de l'amour. Merci beaucoup. Priez pour nous et nous prierons toujours pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. On voulait terminer notre visite avec les petits mots du visionnaire de cette œuvre. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu un homme que Dieu nous a envoyé. Et cet homme-là, il est venu manifester la miséricorde dans l'humanité. Et c'est grâce à ces œuvres de la miséricorde que ces enfants ont des bouffées de soulagement aujourd'hui. Ils existent à cause d'un homme. Je ne dis pas d'un seul homme qui donne de la valeur, qui prend soin de ses enfants 4 fois par an, au moment où ses enfants sont abandonnés, délaissés. Il y a combien d'églises ici à Kinshasa? Mais il n'y a qu'une seule église qui vient au secours à Père Higo et à ses enfants. C'est grâce à cet homme, le grand prophète messager Manuel Dodi, qui donne vraiment la vie à ses enfants, parce qu'au travers de ses enfants, il y aura des prophètes, au travers de ses enfants, il y aura des pasteurs, il y aura des ministres, il y aura des médecins. Il y aura.
Mais c'est grâce à cet homme qui fait que ses enfants subsistent aujourd'hui. Alors après avoir visité pour la première fois, et c'est pour moi, j'avais dit, c'est une journée historique. Parce que l'homme de Dieu, le prophète, messager Manuel, ne se déplace pas. Mais à cause de ses enfants, il a jugé bon de se déplacer. Aujourd'hui, pas seulement une journée historique, c'est une journée aussi de bénédiction pour ses enfants. Après avoir visité, nous voulons lui accorder la parole. Et tant que visionnaire, quel est son dernier mot et le petit message qu'il pourra adresser à l'orphelinat Kimbondo et à ses enfants qui sont devant lui? Je suis le visionnaire de ce ministère, de cette église. Et voilà, souvent j'envoie les serviteurs, les enfants de Dieu qui viennent visiter nos enfants, bien sûr. Aujourd'hui, je me suis dit que je me déplace, voyez-vous, parce qu'un bon maître, c'est lui qui enseigne par les exemples. Je me suis déplacé, j'ai vu, j'ai entendu. Nous bénissons Dieu qui nous a mis à cœur et qui a convaincu nos cœurs et nos âmes pour faire tout ce que nous faisons. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, ça devient facile. Et nous remercions Père Hugo. C'est vrai, nous sommes sur la terre, si bien que dans le Seigneur, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de race, machin, machin. Mais néanmoins, s'il faut utiliser notre langage, il a sa nationalité, il a sa peau, mais il se sacrifie pour ses enfants congolais. Et vous, comme le bien-aimé venait de le dire, au milieu de tous ces enfants, demain ou après-demain, il y aura des hommes de Dieu, des ministres, comme exemple. Docteur, où est-il? Voilà. C'est un exemple extraordinaire. Voilà. Il a été élevé, encadré par cet orphelin. Et aujourd'hui, il est presque devenu médecin. Voilà ce que cet orphelin nous a donné. Voilà ce que l'orphelin a donné à ce pays. Ayant ces soucis, alors, avec Dieu, nous avons décidé de vous accompagner. Merci. Ça, c'est ma parole. Merci. Comprenez que c'est chaque 3 mois que nous venons. Merci. Surtout quand nous traversions à l'époque la période difficile de coronavirus. Merci. C'est là où les choses étaient très difficiles et nous sommes venus. Et que dire pour d'autres périodes? Nous serons ensemble avec vous. Merci à vous tous pour t'accompagner. Toujours d'ici avec des apôtres. Hein? Qui accompagnent à Jésus et vous les accompagnez dans cette mission que Dieu les a révélée. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour avoir venu et à nous encourager. Hein. Merci. Merci beaucoup. Papa, question à Moko. Lelo yokuta bano sungaka, bazape na mawa. Balobi mundele o asunga bango. Yewana santé comme moi compliqué. Bazo banga. Tandis que mboka na biso toza pe na leta na biso wa ko kiko soki pepe na bano. Mais bano pona bango bazo mona soki lelo mundela ngo pa kei. Bazo e bate vi na bango ko suka wapi. Na bite ero yo kiko lela bana ndenge mundelo asunga bango azo bela e sa liondeni. Yo to yakana yo tout temps. Mundele asalo bake na che motema soki akufi. Monga pe na mutura ko kufati. Mon exemple, moi je crois dans la richesse de Dieu. Okay. Mon frère, quel Dieu est riche. Okay. Ce qui est notre Dieu est riche. Okay. C'est pourquoi on a riche. Okay. Je compte dans le monde. Nous sommes tous milliardaires. C'est quoi quand ça est le PC Johnson? Donc, tant que na cause na bon moi, moi wana yo PC de corona PC, la porte PC maman, tout to sangis. Moi le tout kufa, moi colo musala pour voir. Musala na Zambe, tu es bien na Congo na biso ba contre tes alaka. Au gros PC date boy, mais comme moi date wana ma contre ta. Mais depuis na zoya awa, ba date nous ala toujours respecté. Na lobby o eloko et tout cham ezako na corona. Okay. Confinement, bon et commémorant, toya na yo. Bon et bel et moment difficile. Ce qui t'a wane salama, pour la date wana kobangela ngati. Et za la boni, na kote kata kazak, na yana pesa. Merci beaucoup. Na kotambola makolo, na yana pesa.
vous menez là, à un moment donné, un sacrifice à moi, là, là. À quoi ben, vous en avez, yo, tu dois souffrir. À ce que chez maman, quoi, et ça choix. Date, il y a une famille, vous en avez. Ok. Moi, là, là, attends, les bandes, il papa, il y a ça, c'est non, 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 non. Et puis, date, on a combien de temps, non? Si, mais donc, moyennant, date est ratée, non, Dieu est riche. Et ce Dieu-là est riche. Ah, ouais, il y a des gens qui ont pour septembre. Ah, vous avez mis balette, papa. Merci, Nasukia. Merci pour la vérité. Afin, tu as mis un souka, il y a un événement qui est autour de la Guimokolo et à Lélo. Awa na ofelina makoko keni piana permet nga bimana tuno ba kesomo ogwe to sola somo mukia ozala mo ouvert na biso ken na retenir le numéro très capital et pas prophète Emmanuel Dodi sur la date alobi ayaka awa 4 fois par année donc janvier tu décembre ayaka awa 4 fois bi yo pe assista muna makambo ile ka awa ken oh déjà ba 20e fanazo ya na batso keni piana Ana est mutuga loa mutu nyoso aneka musala nzambe loa basala nzambe nyoso yo pona kusambela papa prophète Emmanuel Dodi mais eloko ni kuretenera par rapport à ba geste o andima kota église mobilement en jeu pour na baya ko sunga ba ofene aida premièrement nanu olobi azamutu comme bato nyoso ngana mona ke kaka azamutu na nzoto mais ko benga mutu neti mutu nyoso Nandi milanga Joana te pa prophète Emmanuel Dodi. Azaneti mutunyo sote. Prophète Emmanuel Dodi azaneti Simon Kimbangu o nzamba tindaka. Parce que makambu oyo prophète Emmanuel Dodi a salaka okomona nil pa mutazo sala makambu bongo. To kontena no makambu zo sala te ya ba action. Ba miracle o prophète Emmanuel Dodi a salaka na banzo ta batu. Non na mona église mon côté depuis na botama ezobi ki sabatu. Nabaka ba maladi o nga na mona na misu na nga batu bazobika ba action o yo prophète Emmanuel Dodi azo sal ayaka awa 4 fois na ane 4 fois na ane wana soko tali calendrier o bateka na église okuta na calendrier wana na ba date o ayaka na katia calendrier ba place na ba printer ngo ba circuler ngo bo babike date oyo eza date o tokenda sala action na orphelina eza na bana poto ebele Parce que batu bango na ka prophète Emmanuel Dodi a sala baksion awa. Eza pe na batu msu bazana ba orphelina na bango ya mike mike baka kosenga lisungi na église ya prophète Emmanuel Dodi. Abimisaka mbongo pe asungaka. Mais eza na ba orphelina mususu. Toke ndape ko vérifier to bino prophète ava pe sa don toke ndo vérifier na nou jour bo toko ya na don. Boke pe nana mutu kolo fondation bo bandi ko luka adresse na ye moko o santé pe na ki sérieux zati. Pourquoi le prophète Emmanuel Dodi a mingi ah oui pas chez Makoko. Chez Makoko il a place oyo mundele nde azala tete ya makambu ya ko encadrer bana oyo. Place bande ko na biso ba congolais bazala ka ba tete ya makambu moi qui serie ezala ka vraiment te. Donc en tout cas makambu aboye ko ka mwakangote parce que prophète Emmanuel Dodi Azape na mutu moko spécial o nzamba tindela biso po asala makamba po na ndimite congolais moko akosa makamba pasteur mususu basala boye pete ndimite mso ba rapete po chez petit droit c'est mon ante c'est là aido zela toke na na ba pasteur te na lo bango nzamba zo kanga jour mboko to kozwa mutu na mutu manati prophète Emmanuel Dodi mboko e bongi mbala moko parce que ana mutu ma yakokaba Vous comprenez? Donc, Azana ba qualité et belle pena na katina. Ana mawa ya batu. Surtout place à boy. Je bi sanga autorité nini o ya roboulé, a ya kota la banoy. Autorité nini na mboko yo. OK. Toza musika. Ah, ba mbouteillage mais o santé pena prophète Emmanuel Dodi a na délégation pe ya batu e belle makasi nenge toyé. Combien de bis o prophète a loué? Il y a un jour où il y a un prophète Emmanuel Dodi. Il y a un prophète Emmanuel Dodi, c'est le premier ministre. Mais il y a un prophète Emmanuel Dodi. Il y a un poste poste parce que il y a un prophète Emmanuel Dodi. Il y a un prophète Emmanuel Dodi. Il y a un prophète Emmanuel Dodi. Il y a un premier ministre. Mais il y a un prophète Emmanuel Dodi. Azana ma bon côté. Azana ma bon côté. Aliaka nengeni. Na ibi ta makolo. Ah, ta makolo. Akuma kana makolo. Le peuple prophète Emmanuel Dodi aye. Papa. Na moni depuis oyé oyé na badon.
Mais chaque mois, nous sommes là. Bon, nous sommes là. Nous sommes là. Papa, mawa oyo vraiment. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Papa, tu as dit que 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 tu as un garçon qui est oui, Tu as dit que oh là là, oh là là, oh là là, ah, tobeti maboko, merci hein. Tokoya lisuko monana. Dis docteur, ses parents basa. Il a été abandonné à 2 jours de naissance. Il est né sans membre. 2 jours de naissance, oui. Il est né comme ça et ils ont écrit que c'était un sorcier, peut-être, je ne sais pas comment. Il a été abandonné. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage sur ce moment-là? On doit dire que c'est l'encadré, hein, à Kolaraka. Et puis, il a toujours voulu devenir pasteur. C'est ce qu'il me dit tous les jours. Pasteur, oui. Je veux être docteur pour soigner les gens. Pasteur, docteur, mais comme ton grand frère, pour soigner les gens. Ok, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Ça va? J'ai pris bonne note. Très